Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Black Friday. Je voulais vous donner un petit peu entre guillemets les bons plans que j'ai vus sur, dans les mails que j'ai reçus, les bons plans un peu à droite à gauche que j'ai chopés, et vous dire un petit peu moi ce qui me donne envie à chaque fois, éventuellement dans sur le site ou dans la marque ou voilà. Donc et ben let's go, donc c'est parti pour, on va dire, bon plan et wishlist Black Friday. Donc Black Friday, c'est le lendemain de Thanksgiving aux États-Unis, qui est en général le dernier vendredi du mois de novembre. Donc cette année, ça tombe vendredi qui va arriver. Donc cette année, vu la spécificité de l'année, comment vous dire qu'il y a pas mal de sites qui ont un petit peu anticipé tout ça pour éviter déjà les problèmes de poste, parce que déjà aux États-Unis ils ont dit qu'ils allaient également faire le Black Friday, enfin ils avaient dit qu'ils allaient faire Black Friday un tout petit peu avant pour éviter justement que ce soit un afflux de commandes tout en même temps et tout. Donc nous en France c'est la même chose, hein, la poste. Je pense que y a des sites comme Amazon, ils ont déjà du retard pour livrer les colis. On n'est plus à 3-4 jours, on est passé à presque 15 jours de délai au moment où je vous filme la vidéo. Après, d'ici décembre, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc, voilà. C'est pour ça, cette année, ils ont décidé de faire un peu le Black Friday un petit peu en avance. Alors, le Black Friday, c'est surtout aux États-Unis. Nous, c'est depuis quelques temps, ça y est, c'est rentré un peu dans les mœurs et tout. Donc c'est l'occasion de faire des affaires. Et c'est un petit peu des pré-soldes, entre guillemets. Il y a quand même des bonnes offres lors du Black Friday. Donc c'est vrai que, alors surtout sur les sites, en magasin, cette année c'est décalé. J'ai vu que ça serait pas avant le 4 décembre, donc décalage d'une semaine, parce que nous on fait pas Thanksgiving, donc pour nous ça change rien en France, puisque nous c'est ça, voilà, il n'y a aucun lien, on va dire, avec Noël et tout. Mais voilà, donc en magasin normalement ça sera décalé au 4 décembre, et sur la plupart des sites ça a déjà commencé la semaine dernière, donc voilà. Alors bah c'est parti, je vais vous dire un petit peu chaque site, et éventuellement s'il y a un code promo, si j'ai une date de fin, parce qu'au moment où je vous fais la vidéo, alors soit j'ai pas des dates de fin qui sont prévues, soit je les ai déjà et je pourrais vous les indiquer à chaque fois ici, ou sinon je vous mets tout en barre d'infos si je peux. Si j'ai des informations supplémentaires qui arrivent d'ici que la vidéo soit postée, là on est samedi, donc la vidéo sera pour mardi, il y a 4 jours de différence, ça peut changer, il y a des offres qui sont ce week-end, mais moi j'ai pas le temps de vous poster la vidéo pour dimanche matin, c'est beaucoup trop juste, donc c'est pour ça que vous l'aurez que mardi. Mais voilà, en général il y a pas mal d'offres qui seront encore tout au long de la semaine, je pense que ça va continuer jusqu'au début décembre. Donc voilà, après si c'est pas vraiment ce que je vous ai dit, je pense qu'il y aura d'autres offres qui vont y ressembler ou dans le même genre, donc n'hésitez pas à vous abonner à leur newsletter des sites. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire également, si vous n'avez pas encore le cashback Igral, je vous invite à vous abonner à ce cashback Igral, ça ne vous coûte rien. Je vous donne en dessous mon lien de parrainage, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Je vous mettrai exactement quel est le montant que vous allez avoir gratuitement grâce à la première fois où vous allez vous inscrire sur Igral. Donc pour info, c'est gratuit. L'avantage, c'est que il faut activer le cashback quand vous allez faire une commande sur internet. Ça fonctionne sur beaucoup de sites et je vous dis sincèrement, ça vaut le coup. Il y a énormément de sites de beauté, de fringues, des sites de revendeurs d'électroménager, ça peut être... Il y a vraiment énormément de sites qui sont en lien avec Igral. Et le fait d'avoir un cashback supplémentaire, je vous promets, c'est toujours un plus. Moi, je viens de me faire un virement d'une quarantaine d'euros parce que j'avais utilisé...
le cashback Igral à chaque fois que j'ai commandé sur internet. Donc vous voyez, bon, ça a mis 3 mois, 4 mois. Mais au bout de 3-4 mois, t'as 40 euros, t'es bien content de les avoir. Voilà. Donc voilà. Et ben c'est parti, mon kiki. Et si vous voulez savoir ce que le rouge à lèvres que j'ai aujourd'hui, je vous le dis. Mais au pire, à chaque fois, je vous donne mon rouge à lèvres en barre d'infos. C'est le Kiko de la collection de Noël, la teinte numéro 04, le Holiday Gems dans les mattes. Voilà. C'est très beau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et en contour, j'ai mis un contour des lèvres de chez MAC en teinte Soar. Et finalement, ça va bien avec. Donc voilà, mais de toute façon, dans tous les cas, vous avez toujours mes rouges à lèvres marqués en dessous. Et ben c'est parti pour le Black Friday et les sites que je vous conseille et quelles sont les offres qui, pour l'instant, sont d'actualité, sauf si ça s'est terminé, comme je vous ai dit, et qu'il y aura d'autres offres, faut pas s'inquiéter. D'ici la fin de la semaine, il y aura toujours plein d'offres qui vont tomber. Donc, il y a déjà le site Beauty Bay. Donc Beauty Bay, c'est un site anglais, donc pas de frais de douane. En général, tous les sites dont je vous parlais, il n'y a pas de frais de douane. Ou sinon, c'est déjà inclus dans vos dans le panier, donc vous êtes tranquille, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ce sont des sites que je connais, sur lesquels je commande régulièrement, qui sont sûrs. Donc voilà. Parce que je sais qu'il y en a qui vont me poser la question, tu crois que c'est un bon site? Oui, mais tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Moi, c'est des sites sur lesquels je commande souvent et il n'y a aucun souci. S'il y a le moindre problème, vous pouvez les contacter. En général, ça se passe très bien. Moi, je paye toujours en PayPal, au moins on est sûr s'il y a le moindre problème. Voilà, on n'utilise pas la carte bancaire avec son propre numéro de carte bancaire. Au moins là, par PayPal, au moins on est sûr. Bref. Allez, c'est parti. Donc Beauty Bay, je vous ai dit, il y a moins 30%, jusqu'à moins 30% sur les palettes. Donc sur une sélection de palettes. Et normalement, il y a 5% supplémentaire avec le code que je vous indique ici, qui est le code 5 palettes. Donc voilà, les 30%, normalement, ils sont déjà indiqués, c'est automatique dans votre panier. De toute façon, sur le site, quand vous avez cliqué sur les différentes palettes, il y a déjà les 30% qui sont appliqués sur la plupart de la sélection. Et il faudra rajouter le code pour avoir 5% supplémentaire. Comment vous dire que c'est pas négligeable? Voilà. Et moi sur Beauty Bay, j'avais fait un sondage sur Instagram entre mon cœur balancé entre deux palettes Jeffree Star. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, t'as pas autre chose plutôt de mieux que Jeffree Star, donne pas ton argent à ce mec. Je m'en tape de ce mec. Ce mec, il fait des palettes de fou furieux. Alors oui, il est ce qu'il est, voilà, on s'en fout de ce qu'il est, moi je m'en tape, mais royal de ce mec. Tout ce que je veux, c'est la qualité des produits, la qualité des packaging, la qualité, enfin voilà, c'est visuellement, c'est super bien fait. La qualité est au rendez-vous, moi j'ai une palette, je suis fan de cette palette, et je vous dis franchement, mon cœur balancé entre la Cremated, c'est celle qui est en ton, que en ton de gris. Alors, c'est celle qui a un peu le style très glauque, voilà. Et la deuxième, c'était la Bloodlust, celle avec le packaging un peu violet, en velours et tout. Et franchement, c'était un peu serré, mais la plupart d'entre vous m'ont conseillé la Cremated. Donc, je pense que je vais me commander la Cremated. Voilà, donc en plus elle avait, je crois qu'elle a moins 20% je crois, et plus les 5%, ça vaut le coup. Donc je verrai, mais voilà, de toute façon je vous ferai une vidéo spéciale produits achetés lors du Black Friday ou les offres qui étaient pour l'occasion. Donc voilà, ensuite vous avez donc le site américain Pat McGrath. Donc Pat McGrath, déjà c'est une marque qui est extrêmement chère, mais là vous avez moins 25% si vous commandez jusqu'à 150$. Et si vous dépassez les 150$, vous avez moins 30%. Alors, ça va très très vite, 150$, sachant que il y a des palettes qui sont déjà à 140€, enfin 140$, 140€ parce que oui, ils montrent en euros, donc il n'y a pas de problème. Les frais de douane sont inclus.
Voilà, donc moins 25% sur du Pat McGrath, et en plus il y a des offres déjà qui sont appliquées. Donc vous avez certains rouges à lèvres, les Luxe Trans qui sont à 50% déjà. Donc la palette dont je vous avais parlé, la Celestial Divinity qui est magnifique, elle est déjà à 82€, moins 25%, c'est trop bien. Et en plus, alors normalement ça fonctionne encore, avec le code OBSESS10, je vous le mets ici, il y a moins 10% supplémentaire sur votre commande. Donc, je dis ça, je dis rien, ça vaut trop le coup. Donc moi sur Pat McGrath, je vous avoue qu'il y a l'highlighter qui me donne trop envie. Vous allez voir, dans ma wishlist, il y a beaucoup d'highlighters. Je suis très très fan d'highlighters. Je peux m'acheter plusieurs highlighters et me passer de palettes pour les yeux, parce que j'en ai. Voilà, même si j'ai 3 tonnes d'highlighters. Mais les highlighters, c'est un petit peu mon péché mignon. Donc voilà, il y a l'highlighter qui me donne trop envie. Mais au prix normal, c'est pas possible. Beaucoup trop cher. Donc là, avec moins 25%, je pense pas dépenser plus de $150. Donc non. Donc avec moins 25%, déjà, ça vaut le coup. 10% supplémentaire, ça vaut encore plus le coup. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Il y a un trio de mini rouge à lèvres en raisin qui me plaît énormément, parce qu'il y a surtout une teinte, c'est la Soft Core, qui me plaît trop. C'est un joli rose. Il y a deux autres teintes, il y a un rouge et un prune. Donc le prune, j'adore, il est très très beau. Le rouge, je pense que je vais le garder pour un concours. Voilà. Donc je pense que ça peut être un rouge à lèvres sympa à vous faire gagner par exemple. Donc voilà, c'est vrai que Pat McGrath, sur le site, ça vaut le coup pour le Black Friday. L'année dernière, ça valait encore plus le coup parce qu'ils avaient passé les rouges à lèvres à $10 au lieu de 40. Donc, mais pas cette année. Non, cette année, ils se sont dit, on va peut-être pas abuser non plus, c'est pas la fête. Mais déjà, 25% sur des commandes inférieures à $150, c'est déjà pas mal. Donc, et en plus, 10% supplémentaires. Ensuite, nous avons le site de MAC, donc MAC Cosmétique. Il y a moins 30% sur tout le site. Donc, il y a également, alors il y a l'highlighter de Noël, le Flare for the Dramatic. C'est celui qui est un peu plus foncé, un peu plus doré. Malheureusement, il est plus disponible sur le site de MAC, mais vous inquiétez pas, j'ai trouvé autre chose sur le site de MAC. Voilà. Et les frais de port sont gratuits à partir de 25€ sur le site de MAC. Donc c'est pareil, ça va assez vite, hein, avec deux rouges à lèvres. Vous êtes déjà, même avec les 30%, normalement, vous avez déjà les frais de port offerts. Mais voilà, ça vaut le coup sur le site de MAC. Alors attention, il y a des choses qui ne sont pas... il n'y a pas les réductions dessus comme les Viva Glam, parce qu'il y a une partie qui est reversée à une association, donc même la totalité je crois, qui sont reversées à une association, donc ça forcément on touche pas ça, donc c'est le prix normal, mais vous pouvez faire, voilà, en vous faisant plaisir avec un rouge à lèvres Viva Glam, vous pouvez faire une bonne action, donc voilà. Donc là c'est vrai que Mike... moi, il y a aussi le rouge à lèvres de la collection de Noël. Moi, j'ai pris le rose. Mais il y a celui qui est blanc. Et il a plein de reflets. Moi, j'aime bien ce genre de rouge à lèvres. Voilà. Donc voilà. Après, Mike, il y a plusieurs choses qui m'intéressent. Donc, je verrai bien. Ensuite, sur le site de Kiko. 3 produits achetés, 3 produits offerts. Comment vous dire que ça vaut trop le coup? Donc, les 3 produits offerts, c'est forcément les 3 moins chers. Il y a la collection de Noël de chez Kiko, dont ce rouge à lèvres qui passe... dans cette offre. Si vous voulez voir ma vidéo spéciale sur la collection de Noël, je vous mets le lien juste ici. N'hésitez pas à aller voir. Franchement, les rouges à lèvres de Noël de chez Kiko, que ce soit les métalliques ou que ce soit les mats, c'est de la tuerie. J'ai également fait une vidéo haul où j'avais racheté finalement des produits. J'ai pas résisté. Dont ce rouge à lèvres. Franchement, les rouges à lèvres mats sont magnifiques. Je pense que je me prendrai d'autres teintes. Mais cette fois-ci, je pense que je vais être patiente et attendre d'aller en magasin. Voilà. Mais voilà, Kiko, ça vaut le coup. Déjà, c'est pas trop trop cher pour certains produits. C'est l'occasion de payer quand même vos produits moins chers. Donc 3 achetés, 3 offerts. C'est, je trouve, un bon deal. Et c'est livré assez rapidement chez Kiko, bien emballé, aucun problème. Et en plus, vous avez des petits points à chaque fois. Attention, si vous avez pas mal de points en stock... n'oubliez pas de les utiliser, de les déduire de votre commande avant le 31 décembre, sinon ils sont perdus. Ça revient à zéro au 1er janvier. Donc voilà, ça c'est aussi une petite précision.
Ensuite, nous avons le site de Bobby Brown qui fait moins 30% sur tout le site. Bobby Brown, c'est la même maison que MAC. Donc voilà, c'est le même, c'est le groupe Estée Lauder. Et Bobby Brown fonctionne un peu comme MAC. Donc forcément, il y a moins 30% chez MAC et il y a moins 30% chez Bobby Brown. Et Bobby Brown, ils ont une collection de Noël qui est très jolie. Ils ont des super produits, très bonne qualité. Voilà, donc allez faire un petit tour sur le site de Bobby Brown. Et je crois qu'il y a même 50% sur le onglet outlet jusqu'au 29 novembre. Ensuite, on va passer chez Sephora. Et donc Sephora, alors en ce moment, je ne sais pas si ça sera encore valable à partir d'aujourd'hui, enfin aujourd'hui encore, mais en ce moment, il y a moins 30% sur les parfums et les coffrets de parfums. C'est l'occasion de faire plaisir pour les cadeaux de Noël, moins 30%, c'est toujours ça de gratter, voilà. Et alors, je pense que ça sera plus valable, mais il y avait moins 20% sur Sephora Collection. Mais normalement, si c'est comme l'année dernière, tout au long de la semaine, vous avez des offres sur différentes marques. Donc, si ça tombe sur les marques qui me donnent envie, et ben moi personnellement sur le site de Sephora il y a Fenty Beauty et il y a l'highlighter, le Diamond Bomb, le nouveau qui est un peu rose, donc lui s'il y a moins 20% je pense que je me laisserai tenter, voilà, parce que les moins 25% passent pas sur Fenty Beauty, donc c'est l'occasion. Ensuite s'il y a Charlotte Tilbury dans l'eau, éventuellement un blush mais plus foncé que le Sex on Fire que j'ai chez moi et qui est beaucoup trop clair pour ma carnation, et pourtant je suis quand même visage pâle. Voilà, donc un peu dommage. Donc éventuellement ça peut être l'occasion d'acheter du Charlotte Tilbury. Si Gucci fait partie de ces produits, de cette marque qui est dans l'offre Black Friday dans la semaine, je vous dis franchement, le bronzer ou un rouge à lèvres, mais le bronzer, il me donne bien envie, voilà. Et sinon, après, il y avait Laura Mercier aussi, il y avait des blushs qui m'intéressaient, et Huda Beauty, éventuellement sa palette, la Purple Haze, parce que je me suis déjà pris la Naughty Nude, qui, elle, bah, elle est là. Elle, je me la garde pour Noël, donc dès que je peux aller voir mes parents, eh ben, je me l'emballe et elle part chez eux, emballée, voilà. Donc ça, s'il y a du Huda Beauty, elle coûte 67 euros. Moi, je l'ai prise sur Cult Beauty parce qu'il y avait moins 15%, mais voilà, elle est très très belle. Je vous la montre quand même, je me dis s'il y en a qui voulaient voir ma palette. Donc voilà, ça c'est ma palette. De toute façon, je vous ferai une vidéo haul, hein. Je vais quand même l'intégrer dedans. Donc cette palette, elle coûte quand même 67 euros sans réduction sur le site de Sephora. Comment vous dire que personnellement, moi j'ai utilisé un moins 15% sur Cult Beauty. Mais si elle est dispo sur le site de Sephora avec le Black Friday, allez-y, foncez, hein, parce qu'elle a l'air très belle. Je ne l'ai pas swatché, je ne sais pas ce que ça vaut, mais voilà. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que physiquement, elle est très belle. Après, qu'est-ce qu'elle a dans le bide? On ne sait pas, mais on verra. Donc voilà, et il y a également, alors je reviens à Charlotte Tilbury, le site officiel Charlotte Tilbury propose moins 30% sur une sélection donc jusqu'au 30 novembre. Donc ça vaut le coup parce que Charlotte Tilbury c'est pas donné. Et jusqu'au 28 novembre il y a une palette 4 fards, un quad de 4 fards qui est la palette dans la teinte Bella Sophia qui est offerte des 120 euros d'achat sur le site de Charlotte Tilbury. Donc ça c'est un bon deal aussi. Ensuite il y a le site de Look Fantastic. Look Fantastic est en lien avec Igral. Ça c'est sûr, ça je le sais de mémoire. Et pour info, quand vous avez donc votre barrette Igral, vous pouvez cliquer et vous avez également les codes promo qui sont actualisés à chaque fois s'il y en a un au moment où vous allez faire votre commande. Et voilà.
Mais il y a pas mal de promotions sur le site de Look Fantastique. Parfois, il y a quand même des prix qui sont un peu moins chers que chez Sephora, selon les produits, selon les marques. Et en plus, en ce moment, avec le code promo de la loge de Gabrielle, donc LFGAB, donc Look Fantastique et le début de Gabrielle, donc LFGAB, vous avez moins 30% sur votre commande, en dehors des réductions habituelles. Et sinon, bah, normalement, vous aurez des réductions tout au long de la semaine si ils sont à fond dans Black Friday. Voilà. Ensuite, vous avez également Nocibé qui fait des offres tous les jours depuis vendredi dernier, quand vous verrez la vidéo, ça sera vendredi dernier ou jeudi dernier. Vous avez des offres tous les jours. Donc là, il y avait, enfin moi j'avais vu qu'il y avait moins 40% sur... Ils avaient sélectionné deux parfums et ils avaient fait moins 40% sur les parfums. Donc 20-40%, c'est toujours ça. Donc voilà. Donc Nocibé, les offres, voilà, vous allez en avoir soit tous les jours, soit tous les deux jours. Ensuite, vous avez également Révolution Beauty qui va jusqu'à moins 50%. Donc voilà, Make-up Révolution, XX Révolution, je pense que c'est intégré dans ces offres. Donc jusqu'à 50% de réduction. Donc ça aussi c'est vrai que c'est cool, déjà c'est pas trop cher et en plus si on a moins 50% ça fait l'occasion de tester. Il y a également le site It Cosmetics qui propose des offres. Alors j'ai pas là à ce jour là je n'ai pas les pourcentages, donc je pense que déjà It Cosmetics chez Nocibé il n'y a pas de réduction qui passe dessus. Et puis donc je vous conseille vraiment d'utiliser les codes promo s'il y en a sur le site It Cosmetics. Donc voilà, si ça vous intéresse comme marque. Vous avez également les Galeries Lafayette qui sont pas mal sur le Black Friday. Donc les Galeries Lafayette c'est pas que de la beauté, il y a un peu de tout, il y a de la maroquinerie, il y a des bijoux, il y a des vêtements. Donc voilà, les Galeries Lafayette aussi jouent le jeu côté Black Friday. Et pour celles qui veulent pas commander sur le site, vous pouvez faire des click and collect. Normalement vous pouvez aller récupérer vos achats directement en restant en dehors du magasin, mais vous venez récupérer vos achats en click and collect, ça fonctionne très bien. Pareil hein, pour Sephora, click and collect ça fonctionne aussi. Kiko non ils l'ont pas fait, non ils l'ont pas fait eux. Bon après ils ont le site, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun problème avec le site. Et Nocibé aussi fait du click and collect si ça vous intéresse. Voilà. Ensuite vous avez Morphe qui fait pas mal de réductions. Bon là il y avait une réduction qui était sur moins 50% sur les palettes, les 35 fards, mais je pense que vous allez avoir du moins 50% sur d'autres palettes. Donc voilà, ça aussi ça vaut le coup sur Morphe. C'est un site anglais, donc j'ai déjà commandé sur le site, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller également. Et je finis dans mes bons plans, voilà, pour l'instant actuel, avec Urban Decay qui fait des super bons plans dans leur onglet Outlet. Donc voilà, et normalement si je ne me suis pas trompée, je n'ai rien oublié. Alors je voulais pas vous faire une vidéo qui allait durer 3/4 d'heure parce que si je commence à vous faire tous les sites possibles et imaginables que je connais, alors là... C'est une vidéo de 3 heures qui va être là. Mais voilà, je voulais quand même vous faire un petit topo sur les sites où les offres sont d'habitude et ont l'air là actuellement intéressantes. Alors, je me suis surtout focalisée sur la beauté. Vous savez que ma chaîne, c'est une chaîne de beauté, donc je ne me suis pas éparpillée sur les fringues et tout. Mais je pense qu'il y a des sites de vêtements... Vous pouvez faire également des super affaires. Voilà, je ne suis pas du tout inquiète. Je pense que d'autres chaînes YouTube vont vous parler d'offres intéressantes côté vêtements. Voilà, c'est le Black Friday en fait. C'est vraiment l'occasion de acheter à des prix corrects. Alors moi, ce que je vous conseille aussi, c'est... j'espère que vous avez pu repérer un petit peu les prix... avant d'acheter, parce que alors normalement ceux-là ne le font pas, mais certains sites en profitent pour justement gonfler un peu les prix pour le Black Friday pour vendre à peu près à 1 euro près pareil. Donc voilà,
pour moi c'est pas le but de vous proposer des sites comme ça. Donc normalement ce que je vous ai montré, les marques qui sont proposées, les sites que je vous ai proposés sont assez réglo de ce côté là et vous devriez trouver des petites pépites. Voilà, donc je ne vous ai pas parlé de Colourpop parce que je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Là, je sais qu'ils avaient proposé leur collection de Noël. Comment ils appellent ça? C'est des noms français, ça m'a fait rire. Il y a eu moins 25% sur la collection dès qu'elle est sortie, mais là je crois que c'est plus valable, c'était valable un jour. Mais bon, je pense que Colourpop aussi va vous faire des offres intéressantes. Donc ça c'est pareil, c'est un site, moi je commande de temps en temps, il n'y a pas de problème. Les frais de douane sont également inclus, c'est comme Pat McGrath. Pas de problème. Après, les sites américains, je vous avoue que à part Colourpop et Pat McGrath, j'ai rien qui me vient en tête là pour vous donner un conseil sur d'autres sites américains. Juvia's Place, j'ai jamais commandé sur ce site, même si ça me donne trop envie, mais bon. Kylie Cosmetics, je me suis abonnée à leur newsletter parce que je voulais voir la collection Grinch. Quand j'y suis allée, il était 7h du matin dans la semaine quand c'est sorti, il n'y avait plus rien. Voilà, donc apparemment c'est un peu son genre de faire des trucs comme ça, sold out en 3 secondes et demie. Voilà, donc, mais bon, n'hésitez pas à regarder vos mails. Alors, on va être submergé de mails pour le Black Friday, mais comment vous dire que faut trier, il faut bien regarder les offres et les dates. Des offres également, mais bon voilà, franchement je pense que le Black Friday c'est l'occasion de payer quand même des trucs qui nous donnent envie moins cher. Alors certes le make-up c'est futile, ce n'est pas un indispensable, mais voilà, c'est l'occasion de se faire plaisir à petit prix. Et voilà, donc j'espère que mes petits conseils vous ont plu. Je crois que c'est la première année que je vous fais une vidéo spéciale Black Friday. Ah oui, et pendant que j'y pense, tous les parfums et tout, si vous ne voulez pas commander chez Nocibé, Mariono, Sephora, n'hésitez pas à aller voir Notino, n'hésitez pas à aller voir Parfum Premium, Fragrantia. J'essaierai de vous lister ces sites aussi de parfums moins chers. Il y a le site également Origins qui propose des parfums moins chers. Voilà, alors certes c'est pas dans le Black Friday, mais voilà, ça vaut le coup, c'est plus intéressant. Donc malgré quelquefois des moins 30%, et ben c'est moins cher encore sur ces sites spécialisés un petit peu dans la vente de parfums neufs, je précise, mais à des prix beaucoup plus intéressants. Donc voilà, bah écoutez, j'essaie de tout vous lister en dessous en barre d'infos, donc n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous mets tout ce que j'ai et je vais essayer de l'actualiser dans la semaine. Je vais essayer de vous faire ça un petit peu correctement pour que vous ayez les dates, les codes promo, les dates de fin de promo, les codes avec des promos supplémentaires, voilà, avec les offres qui sont supplémentaires comme Charlotte Tilbury avec la fameuse palette. Enfin voilà, j'essaie de vous lister tout ça en dessous. Donc je vous mettrai les liens également des sites. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Sinon, je vous laisse faire vos propres recherches si vous ne voulez pas cliquer sur mes liens. Alors ce ne sont pas tous des liens affiliés. Attention, les liens affiliés ont une petite étoile devant. Je vous laisse aller zioter tout ça. Donc dites-moi vous ce qui vous donne envie. Quelle est votre liste, enfin wish list du Black Friday. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo spéciale crash test. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.